Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous montrer comment changer une toile inox sur nos filets à pain. Premièrement, il faut savoir que les toiles inox sont utilisables avec tout type de pâte, c'est-à-dire une pâte crue surgelée ou une pâte fraîche. Elles sont facilement reconnaissables puisqu'elles sont souples et qu'elles sont fixées au cadre grâce à des agrafes. Donc maintenant nous allons vous montrer comment nous changeons une toile inox. Donc pour cela vous avez besoin d'une pince manuelle et d'un tournevis. Donc la première étape est donc d'enlever les agrafes à l'aide de du tournevis. La deuxième étape est donc de remettre les agrafes grâce à une pince manuelle. Donc, ce qui permet de fixer la toile sur le cadre. Donc, c'est une opération qui se fait relativement facilement, comme vous avez pu le voir. Maintenant, je vais donc vous donner des petites recommandations quant à l'utilisation d'une toile inox. Il est important de ne pas empiler les filets les uns sur les autres. Également, lors de la scarification du pain, il faut être prudent de ne pas donner de coups de lame à la toile qui pourrait donc l'endommager. Enfin, si votre produit colle au filet, il est conseillé de faire tremper les filets dans une eau savonneuse afin de rendre au silicone sa fonction d'anti-adhérent. Il ne faut surtout pas taper les filets afin de faire décoller le pain. Nos toiles sont disponibles et compatibles avec tout type de cadre, donc n'hésitez plus à nous contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires. Merci.